There's a chill in the air, so crisp and so fresh that Frosty himself would be proud. There's a cheer everywhere, for time's drawing close when loved ones and friends gather round. It's a feeling of joy in every girl, every boy, knowing Santa soon will be here. It's the time, what a time, the most magical time of year. See the lights, how they glow on trees as it snows, as shoppers fill up every street. Faces full of surprise and such twinkling eyes on every child that you meet. It's the time we all know, no matter how young or old, we're magically filled up with cheer. It's the time, what a time, the most magical time of year. There'll be cookies and cakes and paper snowflakes and songs to be sung every day. There'll be ribbons and bows and a shiny red nose leading the man on his sleigh. By the warmth of the fire we'll sit and admire the stockings all filled up at last. Decorations of all the glitter, silver and gold, bring back memories of the past. Time we all know that our love will always flow to the ones that we hold so dear. It's the time, what a time, and it's finally here. The most magical time, the most magical time, the most magical time. Hey hallo en leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video van Magic Rise. En kijk, ik heb een slap oortje en dit kan maar één ding betekenen. Vandaag gaan we het hebben over Disneyland Parijs in deze extra video. Ja, Disneyland Parijs is misschien nu gesloten op dit moment. Het is niet anders met die corona, ja. Het houdt me niet op. En dus ja, Disneyland Parijs is heel even dicht. Maar dit betekent niet dat Disneyland Parijs stil zit. Nee, helemaal niet. Want Disneyland Parijs heeft net weer een heel leuk eventje gedaan. Een online Disney Inside Ears eventje. Om zo de fans een beetje op de hoogte te houden van wat nieuw is, wat next is. En geloof me vrij, de komende jaren en vooral 2021 worden zeer groot in Disneyland Parijs. Absoluut. Wanneer Disneyland Parijs normaal gezien op 13 februari terug gaat openen. Ik zeg normaal, want ja, die corona, het is niet te voorspellen. Gaat er al een deeltje veranderd zijn. Zo zal er een topfavoriet teruggekeerd zijn. Namelijk Buzz Lightyear Laser Blast zal volledig terug zijn. Jawel, jullie kunnen weer allemaal lekker gaan schieten tegen Keizer Zurg en zo proberen een Galactic Hero te worden. We kijken even naar een filmpje. Nous nous trouvons aujourd'hui dans l'attraction Buzz Lightyear Laser Blast, qui est en réhabilitation depuis maintenant un an et qui devrait réouvrir au mois de février cette année. C'est une attraction qui a du vécu et il était nécessaire de refaire un travail de fond, aussi bien dans les décors qu'au niveau des personnages. Cette réhabilitation se fait avec deux équipes différentes. D'une partie, la maintenance à l'intérieur et d'autre partie, le pôle construction sur la partie extérieure. La majeure partie de la réhabilitation s'est portée sur tout ce qui était effets spéciaux et éclairage. On est passé de néons haute tension sur tout ce qui est soubassement de façade à des rubans LED. On a conservé la première technologie qui a été mise en place sur cette attraction avec des néons spécifiques, avec un décor du plus bel effet. Cette attraction a la particularité d'être un dark ride éclairé en lumière qu'on appelle la lumière black light, qui est en réalité de la lumière ultraviolette. Pour ma part, il a fallu identifier les zones à restaurer suite au changement des éclairages black light qui ont eu lieu dans toutes les scènes. Il s'agit de repeindre tous les décors et les personnages pour retrouver l'éclat d'origine et avoir un résultat de couleur très flashy et assez atypique. Les peintres ont vraiment été dans le détail sur ce qu'il y avait à reprendre. On a vraiment une grosse valeur artistique retrouvée sur l'attraction et pour l'expérience.
Les équipes de Walt Disney Imagineering n'interviennent pas seulement sur l'éclairage, les finitions de figures et de peintures générales dans l'attraction, mais aussi les éléments d'animation. On a travaillé sur une quarantaine d'animations, plus ou moins complexes après. Là, ça a vraiment été un gros travail. Là, je suis en train de vérifier chaque fonction du robot. Le mouvement doit être assez souple, pas saccadé. Le visiteur tire sur des cibles, comme je tire sur cette scène-là. Et ça fait une scène, en fin de compte. Le petit dragon qui fonctionne. En waar Buzz Lightyear Laser Blast uit refurb gaat, gaat er een ander iconisch monument van Disneyland Parijs in refurb. Jawel, Le Château de la Belle au Bois Dormande, ofwel de Sleeping Beauty Castle, of gewoon het Disney Kasteel, gaat in refurb. Want het kasteel moet weer helemaal in orde zijn voor de 30ste verjaardag in 2022. En we kijken even naar een filmpje waarin dat alles wordt uitgelegd over de refurb. Je m'appelle Tracy Eck, je suis la directrice artistique pour le parc Disneyland. Le château de la Belle au Bois Dormant, qui est l'icône du parc, tout le monde reconnaît, on voit une photo, tout de suite on sait où on est. C'est la première fois depuis l'ouverture qu'on fait une réhabilitation de cette envergure de notre château. Et on veut qu'il soit vraiment parfait pour le 30e anniversaire. Le chantier a démarré en janvier. On est sur les starting blocks. Ça fait 2 ans qu'on le prépare. On va travailler avec les meilleurs artisans de France. Pour les toits, par exemple, nous travaillons avec des artisans qui travaillent également sur des monuments historiques, tels Notre-Dame de Paris. Et on reconstruit entièrement hors site certains tours. Et on va les emmener avec une grue, enlever l'ancienne et mettre la nouvelle tour en place. C'est un peu la même méthode qu'on a utilisée lorsqu'on a construit le château en 1990. Nous, dans notre équipe de Imagineers, on veille sur l'esthétique, donc les couleurs qu'il faut. On regarde tous les plans pour être sûr que tout est parfait. Après, on a un très grand suivi sur le chantier. On va accompagner toutes les équipes de construction, tous les peintres. On travaille très étroitement avec eux pour qu'on les accompagne et qu'on a le résultat digne de notre icône du parc. On va pouvoir quand même traverser le château. Il ne sera pas entièrement fermé. On pourra aller dans les boutiques. Le passage sera très fluide. Il va être entièrement couvert d'une bâche pour laquelle on a dessiné une thématique qui représente le château. Parce que c'est qu'on est très très conscient de l'importance du château. Et on s'assure que nos invités, quand ils arrivent et ils prennent leurs photos dans le parc, ils ont l'image du château derrière. Een aantal jaar geleden moesten we in Disneyland Parijs afscheid nemen van de Studio Tram Tour. En ja, nu komt de Studio Tram Tour terug in een kousjasje. En een van de gloednieuwe dingen is natuurlijk de Catastrophe Canyon, die werd omgevormd tot iets rond Dinoco. Ja, ik denk echt dat dat heel leuk gaat worden. Het gaat heel anders worden, maar wel heel leuk om zo toch een stukje meer Cars in de Walt Disney Studios te hebben. We hadden al een spinattractie rond Cars. En er is ook nog een tijdje een meet and greet geweest met Lightning McQueen. Maar nu komt er voor de Cars fans dus ja, een nieuwe attractie met de naam Cars Route 66 Roadtrip. We kijken heel even weer naar een filmpje waarin dat alles wordt uitgelegd over deze ja, nieuwe attractie. Hi. I'm Tom Fitzgerald from Walt Disney Imagineering,
And today, I'm excited to unveil a little bit about our rethemed tram attraction at the Walt Disney Studios at Disneyland Paris. We know that our guests love the Cars movies, the Cars characters, and now when you reboard the tram, you'll be traveling along Route 66 to see some of the wacky roadside attractions that have made the Mother Road so famous. And you'll be doing it with some of your favorite Cars characters. We've been working very closely with our colleagues at Pixar, as well as some of the artisans that are nearby Disneyland Paris or just a stone's throw away, to transform the tram experience. And of course, Catastrophe Canyon, which is one of the highlights of the tram tour, is going to be rethemed to find itself in the world of Cars. This is all part of the transformation of the Walt Disney Studios, and we're excited to have you step on board the tram and travel down Route 66 next year. Tijdens een bezoek aan Disneyland Parijs willen heel veel mensen natuurlijk ook blijven slapen. En de Marvel fans die kunnen ja toch wel echt op een heel bijzondere manier gaan slapen. Want in 2021 gaat Hotel New York open in een volledig Marvel decor. En een van de hoogtepunten wordt een Skyline Bar, waarin dat ze door middel van een virtueel systeem je helemaal meenemen naar het New York uit de Marvel films. Ja, en jullie voelen het al aankomen. We gaan even kijken naar een filmpje waarin dat we alles te zien krijgen over dit nieuwe hotel. Et me voilà au Disney's Hotel New York The Art of Marvel pour une surprise exclusive, puisque nous allons à la rencontre de deux imaginaires qui vont nous donner un aperçu inédit de l'hôtel. Let's go! Vous êtes imaginaire ici à Paris. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est votre rôle en tant qu'imaginaire et quel est votre rôle sur ces projets colossaux? Je m'appelle Sylvie Massara et je suis directeur artistique pour les hôtels à Disneyland Paris. Et moi, je fais partie de l'équipe de concepteurs scénographes. On s'occupe du suivi de la production et du chantier du Disney's Hotel New York The Art of Marvel. Sylvie, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur comment nos visiteurs vont être plongés dans l'univers Marvel ici? Dans le lobby, c'est un parfait exemple de ce mélange. Donc, Hôtel New York, d'abord, dans le nom de l'hôtel. Pourquoi? Puisqu'on reprend la verticalité comme dans les gratte-ciels de New York. Que ce soit l'extérieur, on a rajouté des lignes rouges lumineuses, mais également à l'intérieur avec ces colonnes en verticale, alors qu'avant, on était en horizontalité dans cet espace. The Art of Marvel, c'est plus de 300 œuvres d'art qui vont être exposées partout dans l'hôtel, des lieux publics, jusqu'aux chambres, aux suites, aux restaurants. Donc 300 œuvres d'art qui ont été créées par 95 artistes. Une cinquantaine d'œuvres d'art ont été créées d'ailleurs spécialement pour l'hôtel. Si je prends par exemple la première œuvre d'art que les visiteurs vont découvrir lorsqu'ils vont rentrer dans le lobby, ce sera une immense bande dessinée rétro-éclairée. Donc Diona, si tu regardes derrière toi, il y a une énorme vitrine et c'est à l'intérieur de celle-ci que prendront place trois armures taille réelle de Iron Man, la Mark II, il y aura également la Mark 21 et en pièce centrale, il y aura l'armure Mark 45B. Manhattan Restaurant, ça évoque la ville de... Tijdens de beginperiode van de Walt Disney Studios hadden we daar Playhouse Disney live on stage. Dat was echt een heel leuke show met poppen die eigenlijk de verhaaltjes naspeelden uit de Playhouse Disney series. Zeg maar, ja, Mickey's Clubhouse. We hadden daar de Little Einsteins. We hadden daar Winnie the Pooh. Later werd dat ook nog Disney Junior live on stage. Maar de show is verdwenen. Maar geen nood. Er komt een nieuwe show. Namelijk Disney Junior Dream Factory. En dit wordt echt een super magische show. In een steampunk thema. Dus eigenlijk wel best cool. En ja, we gaan ook kijken naar een filmpje over deze show. We gaan
d'avoir été avec vous là. Écoute, nous on était très contents de t'accueillir, mais c'est pas fini, on a encore une petite surprise pour toi. Ta-da! Hey Minnie and Mickey! So talk about magical transformations. Here are Mickey and Minnie in their brand new Disney Junior Dreams Factory costumes. With Minnie, Minnie's got all her fun, fantastic things too, but you know, Mickey's got some fun, fantastic things as well. He's got a brand new hat on. Everything's got rivets and gears and nuts and bolts and that fantastic belt that he has there. And don't forget the pocket watch. You can't forget a really good pocket watch. I love pocket watch. Yeah, especially in the 40s, it was all about the pocket watch. Sure. Now you see, I'm gonna say this one quick thing. You see on their tool belts, they have these special keys. Well, they are the dream experts, and these special keys play a very big role in the show. And you can see that they're 40s inspired here. We've got some great gear motif going on here. It's all sewn on, it's stitched. Minnie, can you do a quick little twirl for us? Wow. And it's all the way around, just like that. So we've got little touches even in our bow. You see, we've got the gears in our bow, all bringing us back to the factory itself. Encore un grand merci pour votre accueil et j'ai vraiment hâte de commencer à rêver avec vous. Bah écoute, Dionne, merci à toi d'avoir passé. Absolutely. So the concept for the show actually came from listening to the music of the Disney Junior franchise brands. So in listening to that, there was a common thread of dreams. And so the idea for dreams and the dream factory of Disney Junior came to life. So the concept for our show, we start off with our guests coming into this fantastic venue. They're welcomed by the moving mechanics and the kinetic energy of a factory. As our factory crew come out and welcome our guests, suddenly something goes wrong and we don't know what it is, but frantically our factory crew call for some help. And who are the experts in dreams but Mickey and Minnie? So Mickey and Minnie arrive and they determine that actually someone in the factory isn't dreaming. And without those dreams, we can't power the factory to make the magic for the world. So Mickey and Minnie enlist some help from some very special Disney Junior friends, Fancy Nancy, Vampirina, and Timon from the Lion Guard series. And through a series of song and dance production numbers, along with our factory crew, we realize our dreams can come to life as long as you believe. And so that's where the actual concept came from, was from the music from these fantastic Disney Junior characters. This is where our dream orbs actually come from, a far off backstage area where they come out here for us and our factory crew to actually go out and grab dreams from our guests. We bring it back to the factory and we put it into the center console, which is actually behind you, Joni, if you'd like to see that too. I would love to see that. You wanna, how about we move over here? Sure. I can show you. You can stand up here. I'm gonna stand down here. So here, this is the center control panel. So once we have those dreams collected where Claire was with our dream orbs, our factory crew bring it back here. We put it into the central processor. Okay. And from here, our factory headmistress, Miss Mallet, she operates the factory and everything behind you with this particular console. The dreams get put into here. We watch the whole thing process and the magic begins to happen way up in the atmosphere. Well, I'm not a pro, so I'm not gonna touch anything. I don't wanna break the factory already. Just in case, yeah, I would say let's not touch anything because Miss Mallet is very particular about her factory. Zo, bij deze hebben we alle Disney nieuws gehad uit Disney op Reis dat we konden hebben. En ik vind het zelf wel heel leuk nieuws. Ik hoop dat 2021 voor Disney op Reis, maar ook voor andere pretparken, een veel beter jaar wordt. En niet alleen voor pretparken natuurlijk, maar gewoon voor heel de wereld. Dat iedereen weer gezond kan gaan genieten van alles. En genieten, ja, dat kan je natuurlijk in een pretpark. En een van die pretparken is Disneyland Parijs. En zij gaan er al sinds voor zorgen dat dat genieten nog veel magischer wordt. Nu, vonden jullie dit een leuke video? Steek dan zeker jullie duim omhoog. En vergeet ook zeker niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En graag tot de volgende keer. Dag!